Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Son paquet moun ki yo créé doute en de tête yo. Et c'est un gros problème pays, ça rien. Ou quoi ça a fait vous? Pourquoi c'est pas menti, monsieur fait? Jusqu'à ce que vous construisez un bagage, vous venez mettre 6 grands monde qui représentent menti dans le pays, mais c'est Jovenel Moïse. M'assumez, je prends, je ne pas peur, je ne pas persécuter les gens avec ça. D'ailleurs, c'est la démocratie à la Jovenel. Tout le monde doit dire ça. Mais pas oublier toujours qu'on côté m'boile. Parce que côté m'boile, il faut avoir le cœur pur. L'esprit saint et les mains propres pour y aller là. Ou pape qui arrive là, sous une haine dans le cœur, sous une bague dans la tête, contre le monde, ni si bien dans ça, ou pape qui arrive à côté nous, et je dis là, ou pas capable. Signal fort doit être envoyé à la population. Tolérance zéro contre les bandits. Zam pa metye, l'on kembe zam nan men ou, l'ap menen ou nan prison ou bien nan simitye. L'Etat pa sitire aucun bandit. Par ailleurs, en ma qualité de ministre de la justice et de la sécurité publique et père de famille à la fois, je demande aux parents d'exercer leur droit de garde sur leurs enfants mineurs et de veiller aux fréquentations de leurs adolescents. La famille, c'est la cellule de base de toute société. Donc, tant vaut la famille, tant vaut la société. Les structures étatiques sont en train de se mettre en quatre pour résorber la criminalité sur l'ensemble du territoire national. Parallèlement, je lance aussi un vibrant appel aux parents qui doivent conjuguer leurs efforts en évitant de laisser leurs enfants à la dérive. Peuple, calez-vous. Jéroué, bouche parlée. Si pas gain si tirez, pas bien volé. Aidez la police, faites travail. Pas si tirez bandit. Par le concordat avec bandit, dénoncer au bail la police, cela peut aider à sauver des vies. Et ce faisant, vous faites montre votre sens de bon citoyen. Travail là à continuer sans prendre souffle. J'exige de la PNH de lancer une opération de tolérance zéro contre le kidnapping qui décapitalise toutes les couches de la société et qui nuit à la quiétude d'esprit des citoyens paisibles. La PNH doit identifier les foyers et réseaux de kidnapping et agir efficacement et professionnellement afin de mettre cette rue hors d'état de nuit. Les policiers de service doivent être clairement identifiables. Le port de la cagoule doit être mieux réglementé. Il faut que la PNH s'assure d'un contrôle effectif du personnel policier, tant au niveau des commissariats que des unités spécialisées. Un peu le monde a préparé pour profiter de faire des ordres. Dans date importante dans l'histoire, nous, dans le 18 novembre, pour craser business monde, voler à faire monde et détruire bien l'État. Un pile citoyen veut profiter des dates ça pour revendiquer, pour l'État tende yo, mais un pile l'autre gain temps à préparer yo pour kidnapping, des choukailles, avec l'autre zak malhonnête. La mobiliser toute force de l'ordre. Population a mérité la paix. Arrestation, jeune sans peur.
côté publicité juridique pour implication présumée dans l'assassinat policier Robert Scott, policier 18e promotion, agent 3, et qui était affecté dans le BAP et qui était fait partie d'Épine, qui est une unité d'élite, une unité de prévention qui au niveau pénitentiaire national. On a rappelé que le policier ça, Robert Scott, il était joint la molle Delma 43 le 6 juillet 2018 lors des situations de trouble. Premier événement qui était pratiquement troublé tout Port-au-Prince. C'est là que M. Pedro Lavilly et il a été James Samper comme une auteur. Concernant l'assassinat pasteur Jean-François Lui et Madame Luciana Exinor-Lui, la police au niveau Saint-Marc fait 4 interpellations. Fana Lui, 18 ans. Mackinson, prophète, qui a continué de le tirer stat, qui a 35 ans. Thomas Zama, qui a 32 ans. Duclerville John, qui a 35 ans. Et il y a deux autres mondes qui ont recherché dans le cadre de Sosa, un certain de Osnel ainsi connu, qui lui-même prend la suite parce que la police est marquée de temps à aller investir une zone côté qu'il est habité et il oui, prend la suite et la police s'est marquée à rechercher activement dans le cadre de Sosa. Également dans le cadre de dossier Pasteur Yato, il y a Mackinson ainsi connu que la police au niveau de Saint-Marc a recherché activement. Il y a pratiquement un groupe de monde qui volait ensemble de matériel la com de CPJ arrêté Hermilus Etienne, Michel Estime, Anderson Servilus Saint-Luc, Gessner Laroche, Frisner Aurelius, Donald Aurelius, Jean-Philippe Mélisier. Chef d'accusation, vol de nuit à l'escalade, recel de biens volés, association malfaiteur au préjudice de la NACOM. Et zone du arrêté Monsaïo, c'est marché Salomon, c'est là où on prend matériel Zaïo pour le vendre. Dans quatre dossiers qui dépouillent à faux certificat de CPJ et de groupe Moun à Bayou même au niveau Chili. Et suite à une correspondance, l'ambassade chilienne est adressée à ministère Affaires étrangères concernant plusieurs documents faux que ils joignent. Documents SAO, c'est certificat de police judiciaire, certificat que livré dans le CPJ. Et ils ont découvert SAO dans le mois d'août, également le mois de septembre 2020. Ambassade l'a informé le ministère là, et le ministère des Affaires étrangères sollicité enquête de CPJ et qui conduit nous à démanteler le réseau Sahara et procéder à l'arrestation de plusieurs et saisir plusieurs matériels. Dieu donne lui, Jonas Toussaint, Joseph Civil, Jean-Hubert Estiverne, Jean-Philippe Clermont, Delerge Montfleury, Joël Décimus, Junior, Jeudi, également Edouard, Isidore, qui continue à appeler Nexoa. Et saisi ensemble du matériel que nous avons gardé là. Gagné plusieurs téléphones qui saisissent, au nombre de 10. Gagné 36 sceaux qui saisissent. Gagné 8 imprimantes. Gagné livret bancaire que nous confisqués. Et également plusieurs faux copie certificat de police que vous livrez, mais c'est des certificats qui légalisés. Alors, vous jouez tout ensemble faux et signatures à vous pacifiez et avec faux sur vous pour vous capable d'avoir de citoyens haïtiens, de jeunes haïtiens qui habitent chez lui, qui ont besoin de papier ça pour vous capable de faire règle avec droit paysan et vous-même, vous amusez après ça, dites-moi que qui a fait aujourd'hui un certificat de police, et puis c'est faux, et puis il y a un gros cop dans le monde. Et on a profité d'Imonio,
seul côté pour venir prendre certificat de police là, c'est dans DCPJ. Et si mon à l'étranger, OK, bon ensemble de procédure qui tracé pour ça, pour côté pour joindre, OK, pour voir document yo et puis pour que DCPJ capable de vous certificat de police là. Le 1er novembre 2020, gagné Arnold Joachin qui fait partie de membres groupe 400 Marozo, un réseau gang qui a fonctionné dans la zone côté nous connaissons et on ça va qui libre l'activité. Côté que de ce déjà arrêté monsieur et la clameur publique dénoncer que monsieur lui-même il fait partie de réseau ça qui c'est groupe 400 Marozo. Au niveau de la direction départementale de l'Ouest, gagné plusieurs âmes qui saisies, gagné 12 âmes qui saisies et à tabac, gagné deux arrestations qui pètent. Dans les organes, il y a deux pistolets de calibre 9 mm et deux armes artisanales qui saisies. Adelma, il y a 11 armes. Akaye, 11 armes. Et puis, Cité Soleil, population, aider la police à récupérer 11 armes de service de police. Et nous pouvons faire un très bon signe. Et nous avons profité de la caméra la presse pour que nous disions à la population Cité Soleil là, merci pour vous, AXA Culpéen, côté que conduit la police, vient récupérer 11 armes. Aux policiers de service. Un bras de fer entre le CSPJ et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Nous tous nous là, nous connaissons que gagner trois pouvoirs. L'exécutif, législatif et le judiciaire. Il y a cela environ 8 ans depuis qu'il y a une loi qui créait le CSPJ. Autrefois, c'était le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. De gagner tout juge, tout commissaire du gouvernement, le personnel judiciaire qui était sous contrôle du ministère de la Justice. Mais quand il y a la justice, c'était la justice. Mais l'administration est divisée en deux. Le CSPJ est là pour un travail de contrôle. Le CSPJ est là pour un travail disciplinaire. Le CSPJ est là pour faire des propositions. Faire des propositions à qui? Faire des propositions à l'exécutif. C'est l'exécutif qui nomme. L'autorité de nomination, c'est l'autorité de révocation. Nous voyons ici un signal clair pour toute population que le CSPJ a un pouvoir disciplinaire. Le CSPJ n'a pas un droit de révocation. Ce droit reste dans l'apanage de l'exécutif. Le CSPJ, il produit des propositions à l'exécutif pour un juge capable de nommer, capable de faire une commission de 7 ans ou bien de 10 ans. Le CSPJ, les fait l'islam, les voyait par ministre justice, et ministre justice lui-même, lui achemine au chef de l'exécutif. Et bien, c'est même pas son ça. Le pouvoir disciplinaire que le CSPJ gagne, l'a conjugué tout effort que le gagne a déployé avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Parce qu'il y a créé à la certification des juges, des magistrats en général, CSPJ gagne pour devoir être capable de travailler avec le ministère de la Justice qui se fait représenter par des commissaires du gouvernement. Nous te répondre à une invitation que fait pour nous, dans le cadre de la moisson. Qui te gagne pour nous te aller. Mais nous disons que nous allons faire dans l'église là seulement. Nous avons dit que nous parler avec le grand public. Si c'est comme ça, nous prendre la parole devant le grand public dans Gonaïve. Même si nous voulons faire avec le grand public dans tout, nous retirons le chapeau pour saluer, pour courage, pour détermination. Non seulement avec la pluie, mais pour quand c'était Zem qui t'a tiré. Zem qui t'a tiré, yo. Nous ne pouvons pas indexer nous. Et nous te faisons gens pour nous les leaders dans la zone.
moi-même personnellement, je me ferai le sénateur là dans le dit, voilà, fait maçon, hein, et je prends la parole sur place publique dans Goulaïve, et nous avons installé tout, il y a une commission petite de saline pour avoir dans le département de la Tibonite. Malheureusement, c'est comme ça va y passer. Identifier ou c'est celle Jean pour gagner yon Katim, c'est sous thème ça, responsable Conseil national télécommunication yo lancé yon campagne sensibilisation depuis 3 novembre 2021 pour encourager responsable compagnie téléphonie mobile yo enregistrer Katim yo. Démarche ça visé identifier abonné compagnie yo. Au pays, le wap ban nou Katim ou supposé qu'on est avec qui est ce wap ban Katim. Donc, sur décision réglementaire que nous prenons, et opérateur connaît que c'est une obligation pour lui et c'est ça qui fait que aujourd'hui nous sommes capables de chuter avec deux opérateurs pour qu'on ait là nous démontrer tout le monde que nous pouvons aller en réalité vers l'enrichissement des cartes. Maintenant, processus censé qui ça? Le ou pral acheter une carte SIM, opérateur a pris une photo pièce d'identité. Parce que aujourd'hui, ou juste bail information et n'a plein rien qui dit que information que vous bail livré. Donc Jean que le prend fait connait le wall ou pas la chocotine opérateur a prend photo carte d'identité à travers ou application que y a metté dans téléphone intelligent que vendeur a bien carte d'identité permis conduit ou sinon passeport ces pièces ou doit présenter bayon agent autorisé si vous voulez acheter un 4 SIM Digicel ou bien Natcom. Si vous pas gagne une nan pièce sa yo, celle yon témoin ka facilite ou acheter un 4 SIM. Décision pour enregistrer 4 SIM yo pral aider pays a nan plusieurs niveaux selon responsable des compagnies yo qui fait konnen toute disposition déjà pran pour respecter mezi sa. Nous-mêmes également, on a commencé à sensibiliser nos réseaux de vente à travers le pays pour remettre les points sur les i qu'ils ont l'obligation à tout moment d'identifier les cartes SIM. Maintenant, on va voir que même quand on fait la démo de l'application, c'est une application qui est en cours de développement. Il faut qu'on la finalise complètement, donc cela va prendre quelques semaines en plus. Et puis, il faut tout le temps et la logistique nécessaire pour déployer cette solution à travers le pays. Équiper les différents points de vente de numéros autorisés, de vendeurs autorisés. On doit autoriser, réautoriser tous nos vendeurs, les équiper là où c'est possible avec des smartphones, et puis commencer donc le déploiement de ce projet. La Natcom aussi dans une période, en pleine période, sur la finalisation des logiciels. Et surtout sur la période d'amélioration de la qualité du réseau dans tous les territoires jusqu'aux zones rurales. Et nous déjà commencé pour le supporter tous les centres de distribution afin qu'elles puissent continuer à vendre aussi les SIM cards de l'ANACOM en établissement des points d'enregistrement des informations dans toutes les régions, dans toutes les provinces, et ce qui est le plus facile en facilitant aussi la population à accepter les SIM cards de la Natcom et partout et tout le moment dans le pays. 3 janvier 2021, c'est date limite qu'on a tel bail compagnie téléphonie mobile pour enregistrer toutes 4 SIM sous territoire. J'ai pour renforcer la production de ciment du riz dans le pays d'Haïti qui démarre depuis janvier 2019 là, avancé dans la région nord, nord-est, la Tibonite, Axide PIA, d'après le ministre Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural, la cérémonie s'était occasion pour l'ambassade de Chine Taïwan, côté une nouvelle tranche financement dans le cadre de réalisation du projet. Le projet a commencé par la République de Chine Taïwan et décidé depuis janvier 2019. Est à son quatrième semestre de mise en œuvre. Mise à terme pour une politique globale de production de 20 000 tonnes de ciment de riz de qualité. Aujourd'hui, nous avons besoin de remettre à la coordination du projet un chèque représentant la valeur de 4 personnes pouvant permettre aux différents sous-projets de boucher leur action. Les autres étaient plus simples, mais ils seraient à collaborer de manière efficace avec les experts taïwanais en vue d'améliorer l'accès de production. Pour se maintenir une qualité et par là, accroître le rendement par une surface de la production globale de l'Union européenne.
Ambassadeur République Chine Taïwan renouvelé engagement pays pour continuer à soutenir Haïti dans le secteur agricole là. Taïwan est un partenaire historique Haïti, surtout dans le domaine de l'agriculture. Durant mes visites sur le terrain, dans les départements du nord-nord-est, de la République et du Sud, j'ai été très ému de constater ce résultat fructueux qui découle des décennies de travail des techniciens de nos deux pays. Je suis convaincu que l'agriculture est un investissement bénéfique pour le peuple haïtien, dont le résultat traversera le temps pour que la génération future pourra en bénéficier. Coordonnateur projet a présenté bilan activité réalisée dans la zone mieux. Le projet, le titre, c'est l'enforcement de la production nationale de chinois de riz dans les régions du nord du Nord-Est, c'est réponse LNB. Le financement, c'est le financement de la République de Chine, Taïwan, dénoncé avec l'État haïtien. Et la période, c'est le projet commence de janvier 2019 à décembre 2021. Les zones de production au niveau du nord et du nord-est, pour le nord, nous avons la commune de Saint-Raphaël, donc la commune de Pouillon au niveau de Savanette, en fait c'est des associations urbaines, et la commune de Plaine du Nord, il y a la Cour du Nord, il y a l'Impé, et au niveau du nord-est, c'est la commune de Fort-Liberté, il y a la zone Charlotin-Poitou, et pour Romaribaou, c'est au niveau de Wanamet, et Bamaribaou, et la commune de Pélé. En fait, c'est les zones d'intervention de l'activité du pays. Et comme objectif, normalement, on devrait atteindre une production de 5 000 tonnes de chômage de riz, donc à la fin du projet, donc annuel. Pour la Tibonite, nous devons arriver à 2 000 tonnes, selon le président de la République. Donc, nous sommes à la 4e campagne, peut-être au 5e ou 6e campagne, si tout marche bien, on va essayer de voir si on peut atteindre le rêve du président de la République. Je voulais vous présenter un bilan. On a eu l'ouverture du projet à date. C'est le projet de renforcement de la production nationale de riz au niveau de la plaine des Cailles. Quand on dit plaine des Cailles, cela inclut la commune des Cailles, la commune du Torbec, mais aussi partie de la commune du Chantal. Donc le projet travaille sur un groupe de la commune. L'objectif principal de ce projet, c'est arriver à doter la plaine des Cailles une capacité de production de chômage de riz de 3 millions. D'après l'initiative, malgré les résultats au côté fruit, dans 4 projets pour renforcer la production de semences de riz dans le pays, il y a des défis qui attendent mieux. L'organisateur fait connaître avec les forces divers acteurs concernés, il y a privé pour des réponses à des défis pour arriver à atteindre l'objectif. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.